Michel Kafando, élu hier président de la transition par le collège de désignation, a prêté serment ce matin. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée dans la salle de conférence de Ouagadougou. Le président de la transition a juré respecter les lois du Burkina et de garantir la justice à tous les Burkinabés. Le point avec Viviane Tiendrebego. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Michel Kafando est ainsi devenu le président de tous les Burkinabés, le grand maître des ordres du pays des hommes intègres. C'est une responsabilité que l'homme accueille avec humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Et que de ce fait, son exercice ne doit souffrir d'aucun abus, d'aucun excès. Il s'est engagé à respecter scrupuleusement la Constitution et la Charte de la Transition. À partir de la douloureuse expérience que nous venons de vivre avec le fameux article 37 voué aux gémonies, nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabée a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Et plus rien ne sera comme avant, s'agissant du respect scrupuleux de l'ordonnancement politico-juridique de notre pays. L'un des défis du président de la transition sera de redonner confiance aux Burkinabés.